Coucou les filles, c'est Elishabi. Je reviens aujourd'hui vous montrer deux vidéos. Une vidéo achat scrap, donc une multitude de trésors. Et une vidéo cadeau scrap qu'une copine sur Facebook m'a fait vraiment l'énorme surprise de m'envoyer. Donc je pense vraiment, vu que j'en ai des tonnes, je vais couper les vidéos en deux. On va donc commencer par la vidéo cadeau que je vais vous montrer. Et après, je vous ferai la vidéo achat pendant que la vidéo cadeau chargera sur YouTube. Donc, je vous préviens, ça risque d'être un petit peu long. Donc, prenez un bon café, cappuccino, thé, petit gâteau. Faites-vous plaisir. Si vous entendez quelques bruits derrière moi, c'est la petite princesse Nora qui joue. Mademoiselle ne veut pas dormir. Donc, si elle reste sage, elle peut rester à côté de maman. Donc, voilà. Tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu dans cette belle boîte en carton d'une amie sur Facebook. Donc vraiment, merci, merci, merci encore. Elle se reconnaîtra pour ta gentillesse. J'avais mis un statut sur Facebook à propos d'un matériel que j'avais vu et je me demandais s'il existait en France, car je savais que les scrappeuses américaines l'utilisaient. Et je ne connaissais pas du tout déjà la fonction et si on pouvait le trouver en boutique en France. Et cette personne m'a contacté en message privé pour me dire qu'elle possédait ce matériel, qu'elle pouvait me l'envoyer. Je lui ai dit oui, ok, pourquoi pas, à quel prix? Et elle me l'a vraiment gracieusement offert. Comme elle dit, elle préfère qu'il soit dans les mains d'une artiste que plutôt qu'il prenne la poussière dans ses placards. Vraiment, j'ai été vraiment émue, émue, émue. Autant de gentillesse, surtout connaissant le prix de ce matériel. Vraiment, c'est chose vraiment très très rare de nos jours. Donc, je vais vous montrer plus précisément de quoi il s'agit. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent. Donc, ce sont des perforatrices Martha Stewart, mais qui circulent, donc ça veut dire qu'elles font des ronds, elles font des napperons. Donc ceci, c'est l'appareil de base. Ça s'appelle le Circle Edge Pen Starter Set. C'est l'appareil de démarrage, ce qu'il faut, l'appareil, je vais vous montrer. En fin de compte, ce qu'il faut pour démarrer, donc avec la petite notice, mais c'est vraiment simple d'utilisation. Voilà, il est comme ceci en fin de compte. C'est l'appareil de base. Et avec, donc il faut montrer comme ça. Et avec, il faut des cartouches. Donc, j'avais vu sur la fourmi créative, il était offert avec cette cartouche-là. Donc, hein, tout simplement, on met notre papier là. Ça se colle par des aimants magnétiques. Là, il y a une partie qui se retire, qui se met ici. La deuxième partie se dépose. On choisit ici la taille du cercle. Donc, c'est en pouces. De 6 à 12 pouces. Donc ici, on choisit aussi la taille du cercle. Et ça crée de jolis napperons. Donc par exemple, pour celui-là, j'ai fait ce napperon-là. Donc qui peut être utilisé des deux côtés, naturellement. Donc moi qui suis fan de napperons, j'en utilise vraiment énormément. Donc là, vraiment, je suis ravie. Et comme cette personne n'a pas fait les choses à moitié, elle m'a également offert, je vais mettre cet appareil sur le côté, cette cartouche-là. Cette cartouche-là, c'est la cartouche diamant. Donc elle est sublime aussi. Et avec celui-ci, j'ai fait ce napperon-là. Donc le petit, c'était 6 pouces, celui-là. Donc il faut multiplier, il me semble, par 2 pour que ce soit en centimètres. 2 ou 2,5, je ne sais plus. J'ai trouvé la conversion sur Google. Et celui-ci, c'est en, il me semble en 8 que je l'ai testé. Donc un superbe diamant, des superbes diamants tout autour. Donc voilà. Et la surprise a duré puisqu'elle m'a envoyé celui-ci qui fait ces découpes-là. Donc celui-ci s'appelle rayure ondulée. Donc elle est vraiment superbe, elle fait ce napperon-là. Je n'ai pas encore eu le temps de toutes les tester. Et le quatrième qu'elle m'a envoyé, c'est celui-ci. Donc oui, vous voyez les prix, hein.
Elle a même laissé les prix, c'est vraiment du matériel neuf, hein. Donc celui-ci s'appelle la toile florale. Il est vraiment beau, hein. Comme dessin. Comme cela. Donc celui-ci est joli parce que vraiment, il y a vraiment le cercle qui est plein, tout petit, mais tout le tour, c'est une grosse fleur. Vous voyez vraiment, quand vous regardez tout ce matériel-là, franchement, cette personne m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup gâté. Donc je vous montrerai bien sûr ce que j'en fais. Et j'ai trouvé beaucoup de vidéos des Américaines faisant plein d'autres choses que des napperons. Donc je vais tester. Et si ça vous dit, donc notez-le moi en commentaire. Me ferai un plaisir de vous faire une vidéo en live sur mes réalisations avec cet appareil. Je sais qu'il y a des sachets pour drager, on peut faire des fanions, on peut faire des roses, on peut faire vraiment plein de choses. Et cette personne, vraiment, était encore une petite maligne parce que voilà tout ce qu'elle m'a offert en plus. Donc elle avait dû regarder mes vidéos parce qu'elle m'a offert des petits papillons Prima. Vraiment ma marque préférée. Donc, ils sont vraiment tout petits, ils sont vraiment sublimes. Et j'avais parlé des fleurs que j'aimais bien de Lady Birdie. Et elle m'a offert un petit sachet de fleurs Lady Birdie dans des tons vraiment qui sont superbes. Avec, elle m'a offert une petite planche de papillons en 3D. Ils sont beaux. Une petite barrière. Donc pour utiliser sur une petite carte Chabi, c'est superbe. Et de la belle dentelle. Donc la belle dentelle beige et qui est autocollante apparemment. Donc vraiment, vraiment merci. J'ai déjà l'idée du projet que je vais réaliser pour envoyer à cette personne. Là, les enfants ont repris l'école aujourd'hui. Donc ça tombe bien. Je fais mes vidéos en retard. Et après, je me lance à fond dans le scrap. Vraiment, avec tout le matériel que j'ai là sur ma table, j'ai vraiment de quoi faire des belles réalisations. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo cadeau scrap vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vraiment, je réponds à chacune. Commentaire ou message privé sur YouTube ou sur Facebook. J'essaye de répondre pour vous donner vraiment précisément le nom du matériel que j'utilise, comment ça s'utilise. Pour moi, vraiment, c'est ça le partage dans le scrap. Donc, ça me fait énormément plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis à tout de suite dans une vidéo achat. Bisous les filles!